six personnes sont mortes samedi dans une explosion de gaz butane dans un quartier très fréquenté de la ville de Kaduna, au nord du Nigeria. Parmi les victimes se trouve le professeur Simon Malam, chef de la commission de l'énergie atomique du Nigeria. Il est mort dans l'incendie alors qu'il se trouvait chez son coiffeur dans les environs de Kaduna. L'explosion s'est produite lorsque des clients se sont rassemblés dans un magasin de gaz butane pour charger leurs bonbonnes. Selon la police locale, d'autres personnes ont été blessées et des magasins incendiés dans l'explosion. Des millions de Nigérians utilisent le gaz butane pour la cuisson des repas. L'approvisionnement en électricité est insuffisant dans le pays. Il y a eu une prolifération de magasins vendant du gaz avec des mesures de sécurité médiocres et peu de réglementations gouvernementales. Cela entraîne souvent des accidents mortels au Nigeria.